Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur Touchez pas au Grisby, un film sorti en 1954 avec l'excellent duo Jean Gabin et Lino Ventura. Avec cette vidéo je vais vraiment essayer de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre des années 50. Alors j'espère que vous êtes confortablement installé chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêt à faire plus ample connaissance avec Max et Riton. Allez go, c'est parti. Touchez pas au Grisby est un film français de Jacques Becker sorti sur les écrans à Paris en mars 1954. Il s'agit d'une adaptation de Touchez pas au Grisby, un roman du même nom d'Albert Simonin qui est sorti en 1953, le premier volet de la trilogie de Max le Menteur, et dont les volumes suivants, également adaptés à l'écran, sont Le Cave se rebiffe, adapté sous le même titre en 1961, et Grisby or Not Grisby, adapté sous le titre très connu Les Tontons Flingueurs en 1963. Deux films dont je vais parler bientôt sur la chaîne. Le film raconte l'histoire de Max, donc interprété par Jean Gabin, et Riton, interprété par René Darry, deux truands qui espèrent bien prendre leur retraite en jouissant du fruit d'un casse récent. On est obligé de se taper la bouteille du taulier si Pierrot vient par ici. Alors après, il y a les mômes qui vont rabattre, alors comme elles auront faim, il faudra les emmener se taper la soupe à l'oignon. Puis après, il faudra se farcir. Bah alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Mais une indiscrétion de Riton qui a parlé du coup à sa petite amie Josie, incarnée par Jeanne Moreau, suscite la convoitise d'Angelo, un voyou peu scrupuleux, interprété par l'excellent Lino Ventura. Passant du livre à l'écran, le célèbre roman d'Albert Simonin, Touchez pas au Grisby, a conservé toute sa vérité, sa puissance et son pittoresque. Alors Touchez pas au Grisby sort dans les salles le 22 mars 1954 avec une interdiction aux moins de 16 ans. L'accueil critique est vraiment très enthousiaste et le film rencontre un véritable succès auprès du public, puisqu'il réunit, tenez-vous bien, plus de 4,7 millions de spectateurs en salle. Le film a également connu un petit succès en Italie où il a attiré plus de 2 millions de spectateurs. Dis-moi plutôt combien tu m'en donnes. 35 millions. Tu l'envoies un peu loin le bouchon, toi. 35 briques, il y en a pour 50. Bien sûr, recours avec certificat d'origine. Mais je vais être obligé de les faire vendre, d'en faire des petits, de leur trouver des matricules bidons. Pour revenir un peu à la jeunesse du film, lorsqu'en 1953, le réalisateur Jacques Becker lit le roman Touchez pas au Grisby d'Albert Simonin, il est certain qu'il s'agit d'un sujet susceptible d'intéresser le public. Impressionné par le film Le Salaire de la Peur de son ami Henri-Georges Clouzot, dont j'ai récemment parlé sur la chaîne, Jacques Becker se dit être capable de retrouver les faveurs des spectateurs et par voie de conséquence la confiance des producteurs, qui s'est un peu émoussé depuis l'échec commercial de ses deux derniers films, Casque d'or et Rue de l'Estrapade. Dès lors, il contacte Simonin pour lui proposer d'écrire une adaptation du roman avec lui, et son co-scénariste habituel Maurice Griff. L'écrivain accepte et encourage même le cinéaste à s'éloigner du texte original. Il choisit d'approfondir l'étude de caractère des deux personnages masculins principaux, Max et Riton, au détriment de l'action privilégiée dans ce genre de film. Il utilise en effet l'argument prétexte d'un affrontement entre deux bandes rivales, celle de Max et celle d'Angelo, pour traiter surtout d'une amitié entre deux truands vieillissants brisés par la trahison. Alors au niveau casting, pour le choix des deux rôles principaux, Becker pense tout d'abord à Daniel Gélin, avec lequel il avait déjà travaillé, mais ce dernier refuse. Le réalisateur envisage alors François Perrier, mais comprend qu'il faut un acteur un peu plus âgé pour incarner le rôle de Max, tel qu'il est conçu dans le scénario. On lui conseille alors Jean Gabin, qui était alors sous contrat avec la société de production de Touchez pas au Grisby, Del Luca Productions, mais Becker se montre assez réticent car il incarne pour lui une certaine forme révolue du cinéma français. Faut dire que Gabin peine à retrouver les faveurs du public d'avant-guerre depuis son retour des États-Unis.
Le réalisateur scénariste fait tout de même lire le scénario à l'acteur qui lui accepte le rôle. Et je pense qu'il a bien fait. Pour le rôle de Riton, c'est Gabin qui présente René Darry à Jacques Becker. Jeanne Moreau et Dora Dole sont engagées pour jouer respectivement les jeunes maîtresses de Riton et Max. Pour incarner le rôle d'Angelo, rival de Max, Jacques Becker cherche une gueule inconnue et jette son dévolu sur un ancien champion de lutte, Lino Ventura. Alors qu'il ne joue qu'un second rôle pour sa toute première apparition à l'écran, il demande par pure provocation un cachet d'1 million d'anciens francs, un cachet presque équivalent à celui de Jean Gabin, proposition qui est finalement acceptée à sa grande surprise. Le monde du sport professionnel, si vous voulez, est en quelque sorte, oui, une bonne préparation pour le monde du spectacle. Pour conclure, Touchez pas au Grisby est un film charnière à plusieurs niveaux. Premièrement parce qu'il relance la carrière de Jean Gabin, définitivement débarrassé de son image de gueule d'amour qui datait d'avant-guerre, et lui conféra une image de parrain du cinéma français. Il marqua également les débuts de Lino Ventura à l'écran. Lui qui reprendra d'ailleurs le rôle de Max le menteur dans Les Tontons Flingueurs. Ventura qui débute ici une carrière dans l'ombre de Jean Gabin avant de trouver toute sa place au sein d'un cinéma français qui va vraiment éclairer de son charisme et de son humour. Becker m'avait montré son essai et j'avais trouvé cet essai extraordinaire. Je trouvais qu'il avait une présence terrible, une personnalité terrible. Mais qui est ce gars-là? Où tu as déniché ce gars-là? Et bien il me dit c'est un catcheur. Et bien je lui dis mon vieux, il a une drôle de personnalité. C'est comme ça que Lino a commencé à faire du cinéma. C'est également un film référence du polar à la française, la matrice des œuvres du genre à venir. Le film de Jacques Becker a donné, si on peut dire, le la de toutes les productions qui vont lui succéder par la suite, tant par sa description réaliste du milieu et de ses personnages que par sa forme. La description minutieuse du milieu de la pègre parisienne, l'histoire d'une profonde amitié, les rapports de classe, les ravages de la trahison ou les soubresauts d'un monde ancien qui vacille. Tous les thèmes contenus dans le roman d'Albert Simonin semblent avoir été conçus pour Jacques Becker. Regarde, gaffe un peu les valoches que t'as sous les yeux, regarde les miennes. Et puis ça, et ça. Crois que c'est beau, hein? En tout cas, Touchez pas au Grisby est un monument du cinéma policier, du film noir à la française. C'est un film essentiel et incontournable pour tous les amoureux du cinéma français. Franchement, c'est un vrai régal. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai eu l'énorme chance de tourner Touchez pas au Grisby. Et Touchez pas au Grisby, c'était en quelque sorte une réplique de ce qu'avait été Pépé le Moko dans le temps, avec, si vous voulez, 15 ou 20 ans de plus. Le film a marché et c'est reparti. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Touchez pas au Grisby. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez déjà vu ou pas, ou si vous pensez vraiment le découvrir grâce à cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu, et surtout pensez à partager sur tous vos réseaux sociaux, c'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne et que vous aidez à faire connaître le cinéma français encore plus, puisque vraiment on défend le cinéma français d'avant sur cette chaîne. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné, je vous embrasse, bye.